Meet David Peyu of Champagne Peyu Simonet. David is driving us out into the vineyards just outside his home village of Verzenay to show us one of his best plots and to tell us what it is that makes this plot and the vineyards in Verzenay so special. It's a short but bumpy ride across some rough tracks to get into the heart of the vines, so please excuse the movement of the camera. I think you'll enjoy the view and what David has to say once we get to our destination. Une parcelle qui fait un peu plus de 3000 m² et c'est quelque chose qui rentre presque systématiquement dans la composition de la cuvée blanc de noir. Mmh. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure à la cave, c'est-à-dire qu'on est très proche du terroir de Verzy, puisque le chemin suivant c'est Verzy, et qu'on est mi-pente sur ce versant où l'on va trouver le phare de Verzenay, ce qu'on considère être les fins lieux, et on fait vraiment de très jolis pinot noir ici. Un vigneron, bien souvent, ces parcelles sont sur 3-4 communes qui très souvent sont l'une à côté de l'autre. Et donc, ces champagnes vont être l'expression d'une région, voire parfois d'un seul village, et même, ça peut être super ça, d'une seule parcelle. Et là, vraiment, on goûte au terroir. Et la philosophie que nous, on essaye d'entretenir, c'est de mettre en avant au maximum ce terroir, c'est donc de concentrer et d'extraire le potentiel qu'il y a dans ce terroir. C'est pourquoi on s'attache à ne pas avoir des rendements trop élevés, pour vraiment aller extraire le maximum de ce qui est capable de nous donner le sol et ces fameux plants qui sont enracinés le plus profondément possible. Et puis, parce qu'on y croit, on pense que Verzenay est un cru qui mérite vraiment la peine d'être mis en avant, et donc c'est l'exercice que l'on essaye de réaliser. C'est une de nos plus jolies parcelles de pinot noir. Alors quand je dis plus jolie, j'entends par là une des mieux placées sur les coteaux de Verzenay, parce qu'on est vraiment à mi-pente. C'est une parcelle qui prend très bien le soleil. Là on a le soleil du matin, et puis le couchant il va être là et on va être ensoleillé une face après l'autre, mais toute la journée, du lever au coucher. C'est une parcelle qui est en pente et donc où on peut bénéficier d'un écoulement de l'eau en cas de forte pluie, et donc pas de problème d'excès hydrique. Et puis c'est une parcelle qu'on a essayé de conduire de manière à limiter sa vigueur, où on a un feuillage qui est bien aéré et où vraiment on produit de beaux raisins. Super. Est-ce que le blanc de noir est le fleurant de votre gamme ou pas forcément? On est un de, moi je suis la quatrième génération au sein de la famille PU à exploiter à Verzenay. Alors j'exploite des vignes à Verzy, j'exploite des vignes à Sillery, j'achète des raisins sur l'exploitation de Christine à Mailly-Champagne et au Bénil-sur-Auger. Mmh. Mais il est vrai que j'ai un faible pour le cru Verzenay quand même. Et Verzenay, c'est le pinot noir. Donc il paraissait légitime, on est encore assez peu à le faire, mais on est quelques-uns tout de même, il paraissait légitime à Verzenay d'élaborer une cuvée blanc de noir, et en l'occurrence basée uniquement sur le pinot noir, hein, puisqu'il y a très peu de pinot meunier sur le cru Verzenay. Donc on est, je pense, un des fleurons du pinot noir en Champagne, avec une vraie particularité, c'est que je vous ai montré tout à l'heure, le soleil il se lève là, il se couche là, ça veut dire qu'on regarde le nord. Et ça c'est l'inverse de nos amis de Louvois, Bouzy ou Ambonnet qui eux regardent le sud, et donc on peut penser que cette exposition nord, là en face de nous il y a les Ardennes puis la Belgique, confère à nos vins une fraîcheur et peut-être également une finesse qu'on ne retrouvera pas forcément sur d'autres crus avec une exposition différente. Et là il y a ça, je pense, une des clés du potentiel des villages qui sont ici, hein, ça va commencer avec Verzy, on va trouver ensuite Verzenay, Mailly-Champagne, et puis nos bas de côte que peuvent être Beaumont-sur-Vel ou Sillery. Une des clés, c'est quand même l'exposition nord, qui presque dans le monde du vin, est un non-sens. Moi, quand j'ai fait mes études en Bourgogne, il y a un peu plus de 20 ans, on m'a expliqué que la vigne, ça se plantait avec des expositions sud-sud-est.
Bon, à Verzenay, ça fait des centaines d'années que c'est planté avec une exposition nord et que ça réussit plutôt bien. Donc voilà, je pense qu'il y a une des explications de notre terroir, peut-être celle-ci, hein, des particularités de Verzenay, qui explique que généralement, on ne va pas vers des maturités extrêmement élevées, que l'on conserve de la fraîcheur, on a des acidités relativement marquées, surtout quand on ne réalise pas les fermentations malolactiques comme nous. Et donc, on a un profil de vin assez particulier, mais aussi une aptitude au vieillissement.